C'est la tradition. On va natter ses cheveux en dansant et puis lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Puis faire des bénédictions pour elle. Oui, puisqu'il y a les différentes parties, si je peux m'exprimer comme ainsi. Il y a ses tantes maternelles, ses tantes paternelles, et puis mes amis qui sont venus nous aider, chaque groupe a sa natte. On lui donne une natte, et puis le groupe chante, le groupe danse, fait des bénédictions pour la mariée. Après la natte, on la fait rentrer encore en chambre. Et puis après, encore, on va la faire ressortir pour laver sa tête. On la fait entrer, on la fait sortir encore. Genre, on est en train de, finaliser la cérémonie. Cette étape de tresse est beaucoup présente chez plusieurs peuples du Nord, notamment les Jasaraka, une ethnie majoritaire dans la localité de Marabagasa. Elle a pour but de faire de la mariée une personne nouvelle avec une nouvelle tête, une nouvelle mentalité. En d'autres termes, une personne prête psychologiquement à affronter la vie de foyer qui est faite de haut et de bas. L'histoire continue après le générique. Monsieur Diabaté Mokta, logisticien et commercial. Mademoiselle Traoué Awa, étudiante en licence de gestion commerciale. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans de cela. Monsieur Diabaté pose les yeux sur Awa lorsqu'elle allait retirer un chèque. Il lui propose de la conduire chez elle, chose que Awa refuse, mais avec insistance, finit par accepter. Durant le trajet, comme par coïncidence, Monsieur Diabaté reçoit un appel de son patron. Il n'a donc pas eu le temps d'échanger avec Awa, mais reçu à prendre son numéro. C'est après un an de patience que la belle Awa cède à ses avances. Une fois le oui, il a fallu encore 7 mois d'attente pour que nous en arrivions là. Quand on s'est rencontrés, c'était juste une simple salutation. On s'est croisé dans l'entreprise, on s'est salué et j'ai demandé son nom. Quand elle m'a dit son nom, puisque moi, ma nièce s'appelle Awa. J'ai mon maman qui s'appelle Awa. Donc j'ai souri au fait. Quelqu'un m'a demandé pourquoi. J'ai dit non. J'ai souri. Après, on s'est accompagné. Après la salutation, moi je sortais de l'entreprise. Elle aussi sortait. Donc moi, comme je suis véhiculé, je l'ai avancé. Ouais, par terre. Je l'ai descendu en cours de route. Ce jour, quand je l'ai récupéré dans la voiture, j'étais en communication jusqu'à ma descente. En fait, c'est comme si je ne me suis pas occupé d'elle juste à la descente. Et c'est après, quand les échanges ont commencé entre nous, moi, c'est sorti, j'ai commencé à prendre pour la taquiner, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. Et depuis lors, on connaît tous la suite de l'histoire. Les familles Diabaté et Traoré sont unies et célèbrent aujourd'hui cette union dans la joie, tout en accompagnant de bénédictions pour bien la solidifier. Tout le mal que je vais te souhaiter, c'est le bonheur, la richesse, la santé, vraiment que ton foyer soit vraiment un foyer où règne la paix, l'amour, la cohésion, bien-être. Le foyer là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu te dire tout est miel. Il y a miel, il y a citron. Après miel là, c'est le début. Il y a citron qui va venir. Le feu va venir. Après le feu là, c'est la réussite de tes enfants, c'est le miel. Il faut t'asseoir bien dans ton foyer. Attache ceinture. Double la ceinture. Double la ceinture. De ta camarade va venir pour venir te blaguer. Moi, mon mari ne me fait pas ça. Mon mari me fait. Elle t'a menti. C'est le trip qu'on lui fait dans la maison là-bas. Mais elle ne va jamais te dire. C'est que le foyer, quand tu entends foyer, là, c'est le feu qui est dedans. Mais si tu gagnes de bons enfants, que Dieu bénisse tes enfants. Là. Le miel, elle est derrière la reçue de tes enfants. Ma fille, assieds-toi bien dans ton couple. Dans ton foyer, attrape bien ton mari. Fais-lui les petits plats. Ce qu'il t'a dit n'aime pas là. Respecte ça. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ton couple. Mokta et Awa sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ils ont une sorte de télépathie et leur souhait le plus ardent est de vivre heureux le plus longtemps possible auprès de leurs 3 enfants. On leur souhaite beaucoup de bonheur. À jeudi prochain, même heure, pour un nouveau mariage.